Hop là. GL SHX. Ce sera pour la médaille de bronze, celui qui sera troisième. Exactement, je suis assez intéressé de voir comment Xan se débrouille dans le match-up. Je sais pas qui est favorisé dans le match-up. SHX, très franchement, il s'est très très bien débrouillé durant tout le tournoi. Donc c'est vraiment quelqu'un à craindre. Il réussit tout de même à connaître les phases d'Exan et à tout bloquer correctement pour l'instant. Il burst directement, il a pas envie de se faire embrouiller. Ça, c'est une personne qui sait que Giovanna, c'est vraiment la galère. Ouais. Et il se fait ouvrir quand même sur le Dust. Ça wall break. Il a réagi à les Dust pas chargés. Ouais. Ouais, c'est très très difficile à réagir sur les Dust. Ouh là là là, ce burst qui était bêté là. Bien joué de la part de SHX. Ah, le wall break, into the ring. Bien joué de la part de SHX. Tous les normaux H de Mei sont digènes, je crois. En tout cas, ouais. Une grosse majorité. Et ça, c'est pas drôle. Allez, le Ali Sudawasan, into le standing S en counter hit de Exon. Qui est en mode full pression, mais qui malheureusement a raté et a perdu le momentum. Et auquel cas, SHX sont back into the neutral. Belle conversion de la barre de Exon qui a réussi à escorter son ennemi dans le corner et qui a obtenu le wall break. Là, il va se taper un petit positive bonus avec lequel il va peut-être pouvoir justement appliquer la pression et remporter le deuxième round. Bon, c'est toujours pas fini, on est en round de finale, on va voir ce qui va se passer. C'est joli, les combos de Giovanna, ça te rattrape avec son 5-4 tout le temps, après avoir le longe arrière, c'est en stylé. Les dash cancel en plus de Giovanna, c'est vraiment très très en gros. Ouais, plus son dash, Giovanna a pas de run, mais un dash ultra rapide qui peut cancel n'importe quand. Par exemple avec une grappe, tout ça, ah ouais, c'est compliqué. Hein. Donc du coup là maintenant Exon malheureusement il se retrouve en difficulté. Je pense que SHX est en train d'un petit peu voir comment ça se... Il commence à voir des patterns et ça va wall break. On va voir un knockdown. Ouais, ça va être un petit normal. Exon qui malheureusement se fait bloquer sur son overhead mais qui réussit quand même à mettre le 5K. Très très bien joué de la part d'Exon, donc c'est 11-0 pour l'instant. Vas-y, commente, Kayen, je vais bouffer mon... Je suis juste en train de faire des petits trucs à côté aussi, mais j'arrive tout de suite, t'inquiète, non, c'est ça. Alors, ouais, 2 secondes, hein. Ah. Je vais lui foutre le tournoi, ouais. Hop là, c'est bon, hop là, c'est bon. Et SHX qui a lâché le burst pour se sortir de la pression, mais Exon qui revient. Le command grab de part de Mei. Command grab, vous pouvez y avoir un combo dans le corner, c'est... Ça permet de faire assez mal, mais il fait très mal en général. C'est vraiment, quand vous faites taper par mail, c'est pas rigolo. Donc, Giovanna qui est Exon qui a mis dans le corner contre mail. Le bon match de 5K pour rentrer Tsugeki, le knockdown, ensuite l'unity, l'overhead qui y passe, ça ball break normalement. Elle sera l'unique. Ok, nice. Donc, ah, et là ça va probablement être... Voilà, allez, premier round de la part de SHX. Ce qui s'est passé sur la porte, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Mais bon, Exon a quand même réussi à conserver son burst, donc c'est pas vraiment... C'était bien joué de sa part de pas succomber à la tentation d'utiliser son burst en fin de combat quand il allait probablement clairement le perdre. Alors, voyons voir, là il est full pression, il a réussi à lire le jump de SHX pour sortir du corner. Très bonne utilisation du Roman Cancel pour justement surprendre son adversaire avec un low. Ok, Tsugeki qui a été interrompu justement par le jab de Exon, vraiment bien joué de sa part, voilà, qui a réussi à ouvrir son adversaire avec un low et là qui va probablement obtenir le wall break into la mort. Ah non, même pas la mort malheureusement. Oh, le pixel magique qui fait survivre Exon. Ouah, le burst par contre qui a été pété par cette... Ouais, voilà, c'est pas la première fois d'ailleurs. Alors, voyons l'overhead qui a été interrompu encore une fois par le jab de Exon, vraiment très belle lecture de jeu de ce dernier.
Alors comment ça commence par... Ok, ça commence par le... je crois que c'est le standing S si je ne me trompe pas. Standing HS. Ah, HS, ok. Ah, ça va bien à qui? À qui s'y alloue? Ok, dans le... Dans le chat, qui est en train d'encourager son cher ami. Vraiment très très bon wall break de la part de Exon, qui réussit à avoir donc le positive bonus, qui a réussi à je sais pas comment il a fait, mais à prévoir le saut de SHX into Death, hein. En perfect, hein, de la part de Exon, très belle prestation de ce dernier, là il est vraiment, il est en train de steamroll mon pote, ça va très très bien, qui, j'espère que toi aussi mec. Alors voyons voir, c'est reparti, neutre, oh y'a yeah. Bah Totsugeki, tu vois que Exon justement il va pour... qui anticipe le backdash du coup de SHX après un Totsugeki S. Donc tu vois que Exon va et il dash justement en avant pour essayer de choper ce backdash. Là il a une bonne connaissance du matchup. Et a malheureusement pas réussi à convertir son combo dans un wall break, mais c'est pas très grave, hein, au pire. Ok, là par contre un burst. Exon lâche un peu de 5k en espérant contrer un Totsugeki. Et c'est pas bête vu que de toute façon c'est pas pulsable, surtout cette histoire. Là il y a Exon qui repasse directement à l'offensive mais qui se fait punir par un RC, je crois. Exactement. Ah, Totsugeki, counter into la commande grab qui va faire des dégâts énormes ici. Bah, pas si gros que ça au final, mais quand même assez conséquent. Mais bon, il va quand même avoir la. Voilà, au fil, il finit avec l'overhead, l'overdrive. Donc en hard knockdown. Et malheureusement, il a pas réussi. Bah ouais, bon, c'est pareil, il a quand même réussi à obtenir. Le 5 cash, le jump cash counter. Exactement. Dans X-Art, ça a explosé parce qu'en plus, ça a launché. C'était impeccable pendant un gros moment. Et surtout que dans Strike, tous les aérions ont un provide de 80%, donc ça a eu des dégâts, mais dans Vexin, les dégâts des aérions et leur provide, c'était unique à chacun. Et le jumpage de May, du coup, bah il avait pas de provide spécialement bas, et du coup, ça a explosé quand tu te le prenais. Ah bah, en effet, c'était une chose que je ne connaissais pas. Je me coucherai moins bête ce soir. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oula, on a un enchaînement de cross-up de Exon qui a au final pu escorter son adversaire dans le corner. Malheureusement là il a essayé d'en tirer avec son épée, mais du coup SHX a dû l'anticiper, il a fait un deuxième saut anticipé et est retombé directement sur Exon, mais bon il a quand même eu le temps de bloc juste après Exon. Vu que le DP de Gio récupère très 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 rapidement. C'est même pas un vrai DP d'ailleurs, il n'y a pas de frame d'invincibilité. C'est juste un entier, il est invincible tout au-dessus de la ceinture, mais pas plus. Ouais. Donc SHX qui remporte le troisième combat, donc on se... Non, c'est pas le troisième, oui c'est le troisième, c'est ça. Donc on se retrouve à 2 à 1 pour Exon, donc rien n'est encore fini. Hein. Bah, Exon qui a encore réussi à anticiper le back jump air de SHX, a réussi à le punir en conséquence. Wall break avec du coup SHX qui lui reste plus beaucoup de vie. Hein. Ah là, le très bon anti-air de Monsieur Dauphin de la part de SHX, où la counter est sur le jumping HS de SHX. Qui utilise très très bien d'ailleurs. Alors est-ce que Exon va burst là? Bah il peut pas, tu me dis, il a plus de burst. Waouh, là ça devient très 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 chaud pour Exon là. Enfin oui, bah justement parce qu'au moins SHX a le burst et il décide de pas l'utiliser, il l'a utilisé sur la toute fin. Est-ce que c'était la bonne solution là? Il a vraiment intérêt à le récupérer, là ça va le faire. Ouais. Bien joué, bon c'était bien lu de la part de SHX. Hein. Ouais, c'était couillu de sa part, si je puis dire. C'est bien joué. Ouah, très bonne anti-air, un close S de la part de Exon. Ça arrive souvent en restart les grands anti-air au close S. C'est-à-dire qu'Exon dit très bien ce que va faire SHX. Ouais, là par contre, il y a un tout petit peu trop violent parce que là j'ai l'impression que SHX arrive justement à anticiper les phases. Bah, là, justement, quand je dis ça, bah, Exon arrive à passer une dust fully charge avec le follow-up. Et du coup, SHX il n'y a plus de vie. Hein. Et là, le cross-up into le. Ah oh, l'utilisation du burst de SHX, est-ce que c'était vraiment la bonne solution à ce moment-là? J'aurais peut-être dû se mordre les lèvres et ne pas utiliser le burst pour justement le conserver pour le round d'après, parce que là vous n'avez plus de burst, monsieur. Qu'allez-vous faire? Là, vous êtes dans la mouise. Allez, chop anticipé et take par là de la part de SHX. Alors, viens voir. Ah, safe jump.
Je sais si on n'a pas de vie. Ouais. Que c'est très, très bon standing S de la part de Exxon qui ont tiré SHX, qui se retrouve plus qu'avec une toute petite. Ah, et boum, c'était le 2D into de standing HS, j'imagine. Voilà.